Un dernier film ça pour Abel Kangé qui était gain pour te jouer à la fin mais là il mourit avant ça dans Caracas à 29 ans d'âge à souffrance li sibi pendant 8 mois il était passé dans prison en Haïti. Parole mon bon reportage là oui, soit fait cyclone qui passe dans le nord avec en là. Waouh, ça c'est un bagage très délicat le monde qui vont manier. Comment délicat. Un problème qui pose là n'est qu'il n'est qu'à jouer des bagages comme ça, pose un problème sérieux. Ah ben monsieur, c'est la fin pour moi, c'est bien la fin pour moi. Oui, mais... De façon, nous commençons par De façon, ma frappe est si mandatée parce que monsieur agressé, monsieur m'a écrasé cassette. Mais bon, il y a une commencée petite parce que là, ma question est sérieuse. Ok, ton m'a fait un coup de fil là, mais une dernière question. Mais checker le monsieur, si tout bas est marché. Oui, mais go bas, madame. J'ai une information devant sous statut. Ok. Moi, c'est pas moi, ma femme, je fais une paire pour bas, mais c'est même pas là pour bas, après deux games, tout en tout ça va être barré. Problème de conjoncture politique, il y a une pointe de bas là-haut. Moi, je fais la barre, ça, mon information, mais je fais la Dans l'époque, Kate a parlé des droits de l'homme et pour aller Greenback, Jean-Claude Duvalier, président à vie, déclarait qu'il y a un autre cadeau pour le peuple, le Jean-Claudisme. Oui, ça veut dire l'a fait un bébé économique grâce à l'argent l'étranger pour le pomper Bali et puis l'a suspendu, crasé, brisé le monde dans le pays. Bébé économique l'a porté plus grand goût, plus la misère pour le peuple. Un groupe artistes, journalistes et travailleurs syndicats, décidé à faire un coup si vous êtes coin à faire suspendre crasé brisé. Dans parmi les gens, les radios Haïti ont commencé à faire émission créole avec nouvelles, les gens pas jamais manqué de temps dans le pays. Radio Haïti Inter. Qui est là actuellement, on a quelques éléments dans l'équipe rédaction information Radio Haïti. C'est comme ça là, il y a Henri Alphonse, qui était reporter dans la radio. DM, il y a Liliane Pierre-Paul avec Pompé Philo. Qui était deux reporters, animateurs, un journal qui était plus populaire, qui était fait à 9h du soir dans la radio, en créole. Eh bien, faut pas oublier tout. Faut pas oublier tout, rédacteur en chef, Harold Isaac. Merci, Philo. Non, naturellement, manqué, majorité a manqué, manqué Jean-Dominique, qui était comme la contribution de temps en temps à la salle des nouvelles là. Manqué Michel Montas, manqué Jacques Price, Jacques Jean-Baptiste, avec Gigi Dominique, Jean-Louis. Il fait exactement 9h dans le studio Bleu Radio Haïti Inter. Je dis tout le monde bonsoir. L'actualité internationale là d'abord avant de rentrer la caille par nous. Matin dans Paraguay, il y a une fois ancien dictateur fasciste pays Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle. Et c'est avec Père le ramassé d'après Saoudi, il y a une fois à 54 ans, alors que Pabo ici en Haïti n'a fêté 45e anniversaire Radio Haïti Inter. Dans Amérique latine, toujours, dans Salvador, situation mangomé.
semblait que les Américains aient intention pour l'intervenir. Et les forces démocratiques dans tout le pays ont compte à faire intervention américaine dans les affaires qui ont passé dans Salvador. Dans l'actualité, la Caïpanou, Renault semblait qu'on a fini de piller mine bauxite qui gagne dans Miraguana. Toujours et encore, cyclone Allen dans Jérémy Matin, il y a un full monde grand goût qui envahit les dépôts sinistres qui gagne dans Jérémy. La police tire en l'air pour être capable d'épapiller full ça. Et qu'on a fini de le bon détail sur l'affaire de la mort, comment son mot a mouru dans Paraguay. Et puis tout la tout parlo de fête Radio Haïti, je dis à que peuple haïtien a fêté dans le pays. Eh bien oui Liliane, je dis à peuple haïtien fêté 54e anniversaire. Non, c'est comme on a dit là, l'an mort Somoza. Ça veut dire Radio Haïti même jour ça, même jour Somoza mouri, elle a fêté 45e anniversaire, c'est ça me devait dire. Et puis bon, bouche m'échappé. Bon, après que monsieur François Dinicio fin craser quand qu'elle fin fin fois Somoza là, Robanio retiré le pouvoir, jodi a trouvé le mouri. Eh bien, peuple d'Amérique latine avec peuple dans Caraïbes là, yo dit que c'est pas un seul et dictateur comme ça pour le tomber. Maintenant, pile l'autre marche pour le tomber. Ça veut dire, quand dit proverbe l'a dit, l'homme a camarade ou prend du feu, c'est mettre fort à la trempe. C'est comme ça que monsieur parle. Pour qu'on est bon, t'es un beau cassa, un bon zone Afrique, t'es un l'autre côté encore. T'es un chadiran. T'es un chadiran, comprends? Bon, monsieur, ça au final. Voilà. Il l'autre toujours, monsieur dit, qui prend le tomber. Ça veut dire que. L'autre marche on va le tomber. L'autre dit marche on ça veut dire qu'on l'autre voisin va le tomber. C'est comme ça que question. Bon, bon l'autre petite gobie, bah, il y a ça fait de dépotoir et poison, bah et toxique que monsieur Tabalin, déchets toxiques que monsieur Tabalin installé dans zone nord-ouest là comme ça. Et bah ça nous va gagner pour retourner sur dans prochain journal que nous va gagner parce que nous voyons que nous avons plus de détails pour nous parler de bah ça semble gagner quelques gros gros chabrak dans le pays qui semble mêler dans affaires ça, qui met en prêt l'argent dans une série d'industriels américains pour le pays comme dépotoir pour philosophie. Mois de novembre 1980, élection président américain Reagan. Trois semaines pour le confinement passé, mais déclaration colonel Jean Valmé, chef de la police. Le quartier général du département de la police de Port-au-Prince informe que des agitateurs tant nationaux qu'internationaux, d'obédience communiste, liés à des médias, se sont livrés depuis quelques mois à des activités subversives, tant à la capitale que dans certaines villes de province, en vue de créer un climat propice à la perpétration d'actes terroristes et criminels. Duvalier et Ben Malfectel ont décidé de craser briser tout le monde qui t'a levé tête pour faire belle parole parler en Haïti. Tonton Makout a clamé prendre assaut Radio Haïti avec l'autre deux stations radio. Il a fait d'appuyant sous Pierre Clinton, mais qui compte faire bon coup de plume sous journal, les frères Ira, Compé Plume, Maître Grégoire Eugène, chef parti politique, deux petits Sylvio Claude, yo voyage jeune papa qui était déjà en prison, Joseph Lafontaine, Marcus Garcia, et speaker radio, Fosse Bravo pour battre pour l'île à Palais, Michel Montas, madame Jean-Dominique, journaliste qui connaît écrit causé sous là, Yves Richard, chef syndicat, Richard Brisson, gros acteur avec speaker radio, Tifré Liliane Pierre-Paul, avec une bande, avec un paquet de l'autre chrétien vivant. Jean-Dominique avec Abel Granger, gagne un fourré koyo dans l'ambassade Venezuela. Le voyez un peu moun nan exil, l'autre aurait été en prison. Tonton Makout joigne un bon business. Yo tout profite commence à vendre cassette avec voix qu'on fait filo, que yo même te sorti arrêté et puis voyé à l'étranger. Yon bon groupe nan équipe radio haïtien, sous chemin l'exil à Terry Caracas. Avec Jackson, nous tout qui là. Mon la ville en face, tout côté tout poète, tout grand monsieur intellectuel, yo, a chanté au point d'Amérique latine, pas ça. Caracas de nous, qui pas pour nous. Mais c'est mon la ville pour nous. Nous
nous-mêmes artistes, poètes, nous-mêmes qui aiment un pays. Bon, nous avons fait un travail que nous travaillons pour nous dénoncer toute bagarre malpropre que Jean-Claude Duvalier a fait par ça. Le 28 novembre, Baya, La Fontaine, Ligue Desi, tout comme qui est lieu, débarqué avec la police politique, comment est le nom de Liliane. Vous voulez parler de qui est ça? Jean Valmé? Jean Valmé, après tout les clients. A bien foutre nous dehors. 28 novembre, je cabas avec Radio Haïti. Je cabas avec l'équipe jeune ça, qui était très dynamique, qui a marché dans tous les coins de province, dans tous les côtés, aller chercher information, dénoncer toute bagaille qui est mal qui dans le pays, affaire d'Haïtien qui a parti quitter le pays, et après un petit bateau, faire pour les people, aller chercher la vie dans notre pays. Moun. Et les jeunes qui ont été dévoués parce que ne voulaient pas prendre l'argent dans le gouvernement, ils ne voulaient pas être corrompus. Ils étaient là, ils ont travaillé et ça a été fait de lui vivre. Et ils ont travaillé sérieusement pour que le pays ait avancé dans le domaine de la démocratie. Et c'est comme ça, le 28 novembre, le gouvernement n'a pas de encore parce qu'il est arrivé au bord, ça a au bord du groupe là. Il était aussi bagarre, ça a continué. Le peuple a levé quand pour poser quelques questions. Alors, il fait même pour Radio Haïti. Mais nous, seule question à poser, est-ce que le FM Radio Haïti, est-ce que le peuple lui-même l'a suspendu, poser question, est-ce que l'a suspendu pour la faire revendication qu'il a fait? Malgré l'amitié avec bon geste en pile zami avec frère vénézuélien et latino-américain, qui n'ont pas arrivé au travail ni foué koyo dans le déroulement de ville. Il y a un ladin qui est obligé de vivre dans Belé Caracas, côté qui n'a pas manqué malgré le gros building. Nous avons dit tout ça qui est interdit. C'est ça qui fait, je dis, nous trouvons en exil, nous trouvons nous séparer de famille, nous déchirer nous dans ce à côté de nous fait là. C'est que dans cette nouvelle mouvité pour nous, que nous ne pouvons jamais décider pour nous quitter, qui fait journée aujourd'hui, après curation, nous trouvons nous dans Caracas. Et nous pouvons reconnaître jusqu'à Bob et Pellerinaïsa a mené nous. Parce que pour nous changer avec problème dans Caracas. Dialogue que nous avons commencé avec le peuple là, tu vas aller pas qu'à poupelle, il pas qu'à craser. Tu vas aller mettre nous dehors, mais le peuple a serré nous en tant que. Il faut dans le groupe exil le 28 novembre avec toute équipe Radio Haïtien parti au Canada. C'est la belle Kangé qui était obligé de rester barré avec l'Amopita ici dans Caracas. Zombie man, man, we walk in